Bon matin encore une fois. Alors, on continue? Plutôt, on termine. On termine cette série de 7. Vous avez 7 messages. Et le dernier message, c'est une série qu'on a commencé il y a 7 semaines. C'est un message qui vraiment prend un texte, des textes très précis dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et 3. Jésus s'adresse à 7 églises différentes, dans des régions différentes, dans des villes différentes, et adresse leurs problématiques dans ces églises-là. Et pourquoi c'est intéressant pour nous? C'est parce qu'il y a un message spécifique pour, dans le fond, dans toutes les 7 églises, on retrouve différentes sphères qui nous touchent également, nous autres, aujourd'hui, en 2018, ici maintenant à Sherbrooke. Et de la même façon, on va voir de quelle façon cette dernière église, l'église de Laodicée, comment est-ce que ça nous touche aujourd'hui encore. Et le même modèle, vous savez, c'est comme on étudie des cas, c'est comme des études de cas, et chaque semaine, on a la même structure, on continue avec cette même structure-là. Alors, cette semaine, on va voir, vous allez voir comment est-ce que, si ça s'en vient, là, je vais vous montrer ça bientôt. Bientôt, ça s'en vient. Non? Prochaine diapo, sinon? Non? Alors, Francis Chan qui fait une citation, je commence toujours par une citation, il dit « Les gens tièdes appellent radical ce que Jésus attend de tous ses disciples. » Et cette semaine, c'est un texte qui est, la semaine passée, on a vu l'église de Philadelphie, une église qui était une belle, une bonne, une super église tellement inspirante. Et cette semaine, c'est un peu, pas l'antithèse, c'est pas l'inverse, c'est une église qui a une dynamique, un contexte très particulier qui fait en sorte que c'est une église qui est relativement, puis c'est un passage assez connu, mais tiède. Ni chaud, ni froid, c'est une église un peu passive, un peu sur le pilote automatique. Et on va voir un peu pourquoi, et je crois vraiment que, puis ce que Francis Chan, qui est un auteur, un pasteur, plutôt connu aux États-Unis, il a écrit plusieurs livres que je trouve vraiment très intéressants. « Les gens tièdes appellent radical ce que Jésus attend de tous ses disciples ». Et quand on découvre Jésus, quand on rencontre Jésus, c'est pas juste un ajout à notre vie. C'est comme Jésus appelle ses disciples à le suivre. Et on pense souvent qu'il y a juste 12 disciples, mais Jésus appelle tous ceux qui le rencontrent à être ses disciples. Il dit « Suivez-moi et je vais vous faire découvrir une vie complètement nouvelle, une vie transformée, une vie qui s'oriente autour de moi et non pas moi qui m'oriente autour de vous. » Et c'est là où est-ce que cette pensée-là, où est-ce que les gens tièdes souvent sont comme « Ah, c'est vraiment, c'est radical, c'est, sont intenses, hey, ils parlent tout le temps de Jésus, ils aiment donc bien Jésus, eux autres. Hey, eux autres, on dirait que toute leur vie parle de Jésus. » Yes! Et c'est ce que Jésus demande de tous ses disciples. Et on ne le fait pas d'une manière, religieuse. Jésus demande ça parce que quand on découvre qui est Jésus et ce qu'il a fait, notre vie s'oriente sans qu'on ait besoin de faire l'effort. C'est une révélation qui devient profonde, transformationnelle. C'est comme la première fois que tu as commencé à sortir avec une fille ou avec un gars. On dirait que tu y penses tout le temps, t'en parles tout le temps, tes amis sont comme tannés, sont comme, hey, tu vas te changer de discours à un moment donné, tu te forces pas. C'est pas comme, hey, il faudrait bien que j'en parle à mes amis un peu. Ouais, j'aime une fille ou j'aime un gars. Non, c'est comme, ah, oh, je l'aime, les autres sont comme, ok, c'est correct. Puis là, ils font semblant de t'écouter, mais ils sont comme un peu tannés. Et c'est le même principe. Quand tu découvres Jésus, c'est une relation d'amour. C'est une relation où est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est pas comme moi, ouais, faudrait que je parle de Jésus? Non, c'est que Jésus a transformé ma vie, je veux en parler. Ça émane. Et ça me fait penser, puis aujourd'hui, on va parler beaucoup d'indifférence. On va parler d'indifférence. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui était assez bien nanti. Ses parents étaient bien nantis. Et je suis arrivé chez eux, j'étais invité à sa fête d'amis. Et c'était une grosse fête d'amis. J'avais peut-être 8 ans. Et c'était une grosse fête d'amis. Puis là, j'avais magasiné son cadeau. C'était comme un espèce de cadeau, là, genre un peu un jeu de société. Puis là, tu ouvrais des petites portes. Puis là, j'étais tout content. Là, j'avais acheté ça là, avec une partie de mon argent. Là. Moi, là, je faisais des pelouses. Tu sais, là, j'avais gagné dur mon argent. Mes parents n'étaient pas très riches. Fait que là, j'arrive à sa fête d'amis. Et là, il y avait 30 amis avec des cadeaux majestueux. Et là, moi, j'arrive avec mon cadeau, tu sais. Puis là, c'était vraiment le free-for-all. Tu sais, puis aujourd'hui, je raconte ça à mon amie, puis elle a un peu honte d'elle, là, mais elle courait partout. Là, sa mère essayait de la pogner parce qu'elle déchirait un cadeau.
elle regardait, elle pitchait, elle repognait un autre cadeau. Puis là, sa mère était « Wow, wow, faut que tu dises merci. » Elle courait avec le cadeau, elle déballait en même temps tous les cadeaux des 30 amis de même. Fait que là, elle était rendue à mon cadeau. Alors, vous savez que là, il était comme, en plus d'être petit, il avait l'air comme pas super intéressant comparativement comme toutes les gigantesques patentes. Alors, elle l'a même pas déchiré au complet, tu sais. Elle a ouvert le coin, puis elle l'a mis à côté. Là, moi, j'étais... Puis là, moi, j'étais assis. Puis moi, j'étais assez hyperactif quand j'étais jeune. Mais là, je vous le dis, là, j'étais pas hyperactif pantoute. Je regardais ça, là, et là, mon petit cœur d'enfant était blessé. Et là, comment est-ce que je me sentais? Je me sentais dans comme je sentais qu'elle était indifférente à mon cadeau que j'y avais fait. Et là, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que Jésus se sent de la même façon par rapport à l'église de Laodicée, par rapport à l'indifférence de cette église-là. Ça y tourne l'estomac à l'envers. Ça y tourne l'estomac à l'envers parce que Jésus a tout donné. Il a donné le plus grand cadeau que l'histoire de l'humanité a connu. Et l'église de Laodicée, sont comme, ouais, c'est cool, c'est intéressant. Ils sont comme, ils déchirent le coin, ils sont comme, ah, OK, nice. On va aller voir ailleurs. Et ce matin, on va parler de ça, beaucoup. On va parler de ça, on va parler de comment est-ce que ça comprend, comment est-ce que ça touche notre Église aujourd'hui, ici, maintenant, chacun d'entre nous, chacun d'entre toutes les personnes ici de façon personnelle. Je veux commencer, comme l'habitude, avec un petit contexte pour... Vous allez voir comment est-ce que tout le contexte prend racine. Je pense que la manette ne marche plus. On va prendre la prochaine diapo. Le contexte écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est une ville assez extraordinaire, créée en 253 avant Jésus-Christ, a été détruite complètement encore par un tremblement de terre. C'est comme si ça se répétait chaque semaine. On dirait que les tremblements de terre détruisaient toutes les villes. Elle s'est faite détruire dans le coin de, je l'ai tué, c'est en 61 après Jésus-Christ. Okay? Et cette lettre-là est écrite en 100 après Jésus-Christ, donc 40 ans entre les deux. Et vous allez voir comment c'est important. C'est une ville qui est militairement un peu surélevée, très riche. Très, très riche. C'est une ville de passage. Il y a beaucoup, c'est une ville marchande. Dans le fond, les gens passent par cette ville-là pour aller dans toutes les autres villes de l'Asie mineure. Alors, c'est une ville qui est très hétéroclite. Les gens qui sont là, hétéroclite, ça veut dire comme, tu sais, comme toutes sortes de gens rassemblés ensemble, sont pas comme tous pareils, sont pas tous de la même culture, sont pas tous de la même religion. Ils ont plein de temples juste pour accommoder tous les passants. Donc, il y a le temple de Zeus, comme un peu toutes les villes de la Grèce antique. Il y a un temple de Zeus, Dionysos, toutes les mêmes qu'on a vues là, durant les dernières semaines, mais là, c'est tout rassemblé dans une même place. Vous savez, en 61, quand la ville a été détruite par un tremblement de terre, le gouverneur a dit « Ah, on va vous aider, on va vous donner des fonds pour rebâtir la ville. » Les autres ont dit « Non, pas besoin. » C'était une ville riche, riche, riche. Parce qu'ils pouvaient charger les prix qu'ils voulaient. Les gens qui passaient par là n'avaient pas le choix. Ils hébergeaient là, ils achetaient des cossins. Et souvent, c'était des marchands assez riches. Et il y avait vraiment une économie florissante. C'était le Wall Street au niveau financier. Il y avait beaucoup, beaucoup de banques. Donc, il y avait un marché monétaire extrêmement florissant. Donc, échange de monnaie pour aller changer de pays, pour pouvoir aller comme... Enfin, souvent, ils donnaient des taux de change très, très élevés. C'était aussi le Vous savez, Milan, en Italie, c'est l'endroit de la mode. Et eux étaient très reconnus pour la mode également, parce que c'était un des seuls endroits sur la planète où est-ce qu'il y avait de la laine noire. Et ils faisaient des manteaux, et les derniers cris en laine noire sortaient de Laodicée. C'était un des seuls endroits qu'on pouvait faire ça. Alors, c'était un endroit à la fine pointe de la mode. C'était un endroit également qui était comme très cossu. La majorité des maisons dans ce temps-là étaient à peu près 100-200 pieds carrés. Ça, c'est à peu près l'espace de parking, dans un parking traditionnel. Ça, c'est la majorité des maisons dans ce temps-là, dans la Grèce antique. Comme Jésus, là, quand il a été sur la terre, sa maison, elle devait être à peu près grosse comme celle-là, 100-200 pieds carrés. La majorité des maisons en Laodicée étaient 1000 à 2000 pieds carrés. Même les plus grosses allaient jusqu'à 3000 pieds carrés. C'était assez extraordinaire parce que Laodicée, le seul point faible qu'ils avaient, c'était l'eau. Il n'y avait pas vraiment d'eau. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait venir tout un système de piping, de la plomberie. Ils ont pris de l'eau à Colosse, qui était 15 kilomètres plus loin,
Et dans une autre ville, ils ont pris l'eau froide et l'eau chaude, dans le fond. Ils ont pris l'eau froide à Colosse et l'eau chaude dans une autre ville que je ne me souviens plus le nom, Hierapolis, à 9 km. Okay? Fait qu'ils ont fait venir ça. Pourquoi de l'eau chaude à Hierapolis? Il y avait des sources d'eau chaude. Alors, il fait venir l'eau d'ailleurs, en plomberie. Puis ça arrivait dans leur maison. Hein, vous pensez que là, qu'on est très, très moderne, hein? Dans ce temps-là, il y avait de l'eau courante dans leur maison. Et vous allez voir le rapport un peu plus loin. Il y avait deux théâtres, c'est comme le Beverly Hills des villes. Il y avait vraiment comme, c'était le haut de gamme. Alors, tout le monde habitait dans des grosses maisons, tout le monde était assez riche. Il y avait très peu de classes pauvres, très peu de classes ouvrières, c'était presque tous des classes marchandes. C'était vraiment une ville reconnue pour ses trois sphères très distinctes. La finance, la mode et aussi toutes les arts qui rentraient dans la mode, qui étaient très, très développés, et finalement le pharmaceutique. C'était le seul endroit dans toute l'Asie mineure qui fabriquait un espèce de remède pour les yeux. Ils vendaient ça en tablette, et là, tu mettais ça dans de l'eau, puis tu brassais ça, tu te mettais ça sur tes yeux, puis ça faisait du bien à tes yeux. Si t'étais comme, t'avais une mauvaise vue, ça t'aidait. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais il était très reconnu pour ça. Il y avait même une école qui faisait seulement ça, une usine pharmaceutique. Quand tu étais presque aveugle, tu allais les voir, puis tes yeux allaient mieux. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec tes yeux, mais il était reconnu pour ça. Alors ça, c'était vraiment la ville, comme la ville de Laodicée. Spirituellement, maintenant, c'était un très, très, très polythéiste. Polythéiste, ça veut dire plein de dieux. Alors, il y avait toutes sortes de dieux, toutes sortes de temples pour accommoder tout le monde. Tout le monde était content. Plusieurs déités, parce qu'il y avait beaucoup de passants, on faisait le commerce avec eux, on leur vendait des petites statues, des grosses statues, s'ils aimaient ça, à des très forts prix. Les gens achetaient. C'était une ville stratégique pour l'Évangile également, parce que les gens passaient par là, et s'ils connaissaient Jésus par la suite, il fallait dans d'autres villes pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Alors, c'était normal qu'il y avait une église implantée dans cet endroit-là. Alors, ça, c'est le contexte assez rapide de cette ville-là. Maintenant, je vais vous parler, je vais vous lire le texte. Je vais vous lire le texte comme toutes les fois et par la suite, on va le décortiquer ensemble. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ça, c'est le texte qu'on va voir ce matin. C'est le texte qu'on va s'adonner à explorer. Et vous allez voir, c'est très, très riche pour nous. Alors, je commence. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, auteur de la création de Dieu. Jésus, il se présente. La première étape, comme toutes les semaines, il dit, OK, c'est Jésus qui parle. Mais Jésus, il se présente toujours avec différentes caractéristiques. Il présente comment est-ce qu'il a certaines caractéristiques précises pour ce qui vient après et aussi pour le contexte des gens qui l'écoutent. Alors, ici, il dit, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, comme quand on prie, souvent à la fin, on va dire Amen. Amen veut dire je suis d'accord. Comme ce que je viens de dire, c'est vrai et je suis d'accord avec ça. Puis les autres disent Amen. Fait qu'on pourrait dire aussi je suis d'accord. Okay? Alors c'est le même principe, sauf que souvent c'est un acquiescement. Donc tu es en train de dire oui, je crois à ça. Et pourquoi Jésus dit je suis l'Amen? C'est qu'il est en train de venir dire, ce que je vais dire là, je suis très d'accord avec ça et vous devriez être d'accord. Fait que quand la personne vient de prier, elle dit « Amen », on suspecte qu'elle est d'accord avec ce qu'elle vient de prier, mais elle dit « Amen » pareil. C'est le même principe ici, Jésus dit. Il est en train de dire « Je suis déjà Amen avec ce qui s'en vient. Je suis l'Amen. Je suis celui qui établit ce qui s'en vient. » Je suis celui qui établit tout. »
Puis en même, vous allez voir ce qu'il dit après, il dit le témoin fidèle. Et c'est drôle parce qu'il dit témoin fidèle et véritable. Il revient avec l'aspect véritable. Parce qu'il y a tellement une cacophonie de Dieu, de déité dans ce temps-là, qu'il est en train de dire, OK, je ne me fonds pas dans la masse de tout ça. Je suis le vrai real. Je suis le vrai de vrai. Et je suis un témoin qui est fidèle. Il est en train de mettre l'emphase sur, je suis un vrai, même dans certaines autres traductions, il dit, je suis un ami fidèle. Je suis l'ami fidèle. Et il est en train de dire, je suis un vrai ami et non pas un faux. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne dit pas juste qu'est-ce que tu veux entendre. C'est quelqu'un qui te dit, quand tu as des choses à changer, il te dit la vérité. Sinon, c'est juste quelqu'un qui veut te flatter dans le sens du poil. Et des fois, quand tu es réfractaire au changement ou tu ne veux pas voir ton cœur, tu vas avoir tendance à t'entourer de gens qui vont juste te flatter dans le sens du poil et très peu te critiquer ou très peu te challenger sur différentes choses dans ta vie que tu as besoin de challenge. Et Jésus dit, non, moi, je ne suis pas juste quelqu'un qui fait juste te dire des paroles douces qui te flattent dans le sens du poil parce que je t'aime vraiment. Je ne suis pas juste quelqu'un qui est là passivement à côté de toi. Je t'aime réellement. Je suis un vrai ami pour toi. Je suis un vrai et un fidèle ami. Et finalement, il dit, je suis l'auteur de la création de Dieu. Je suis comme lui qui est... Fait que je suis pas comme... Puis ça, là, c'est comme vraiment un débat. Je veux pas entrer là-dedans. Mais comment est-ce que cette idée de création est tellement attaquée et était déjà attaquée à ce temps-là? Dieu, c'était le créateur du monde. Et là, quand Jésus dit, non, non, il y a un seul Dieu... Et Jésus fait partie de la Trinité. C'est pas comme juste une créature. C'est pas comme un moindre Dieu. Il est légal. Il fait partie de la Trinité. Il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est une seule personne. Et il est en train de réitérer, mettre de l'avant ça. Je suis pas comme... cette idée-là revient dans les sept églises, dans les sept textes qu'on a vus depuis le début. Il est toujours en train de se présenter comme un roi. Et non pas comme... Parce que eux, dans leur mentalité, ils pensent à Jésus. Jésus, là, ça fait pas très beaucoup d'années là, qu'il est venu sur la terre. Fait qu'eux autres, ils ont dans l'idée, ouais, il y avait comme un juif qui est né à Bethléem, Jésus. Il a vécu une vie, il y avait 12 disciples, il est mort sur la croix et certains disent qu'il est ressuscité. Il a fait supposément des miracles. C'est ça qu'ils ont comme image, eux autres. Ils voient un Jésus qui était d'une famille pauvre. Ils voient un Jésus qui était comme, il avait de l'air quand même quelqu'un d'influent, mais sans plus, il a fini sa croix. Alors, eux, dans leur image, c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un qui avait un enseignement, quelqu'un qui avait certaines personnes qui croyaient en lui, mais c'était quand même un humain. Alors, quand Jésus se présente, il dit, « Je ne suis pas juste un humain que vous avez dans votre perception. » Je suis le Dieu de. Je suis le Dieu. Je ne suis pas une des déités parmi ces temples-là que vous allez une semaine à l'autre. Quand vous voulez du bon vin, vous allez au Dieu du vin, Dionysos. Quand vous voulez comme Zeus, parce que là, vous avez un gros problème, vous allez voir le King, King, King. Quand vous voulez comme le Dieu de la santé, quand vous allez à la guerre, vous allez voir le Dieu de la guerre. Donc, non, je ne suis pas un de ces déités-là. Je suis le Dieu. Et Jésus se présente pour ça, pour relever que je ne suis pas juste ce que vous avez comme perception de moi. Et là, prochaine diapo. On arrive au même modèle que l'habitude. Le diagnostic négatif, le défi et la promesse. Et cette semaine, il n'y a pas beaucoup de diagnostics positifs. C'est surtout un diagnostic négatif. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis « je suis riche ». Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, on commence par le diagnostic qui fait mal. La difficulté ici, puis comment est-ce qu'on pourrait comprendre le texte? On a l'impression que, puis c'est drôle parce que Jésus, il s'adresse contextuellement à cette église-là. Il dit, vous êtes tiède. Et les Laodiciens, en tout cas, les gens de Laodicée, ils savent c'est quoi de l'eau tiède. Parce que l'eau est froide en partant de Colosse, mais après 18 km, dans des canaux à ciel ouvert, elle arrive chez eux sale et tiède, genre température pièce. Quand elle part de Hiéropolis, dans les sources chaudes, les gens vont là comme dans un spa. Là. Et là, quand elle vient chez eux, elle n'est plus trop chaude. Elle est tiède et sale.
Alors, quand Jésus dit, vous êtes ni froid ni bouillant, vous êtes juste tiède. Et qu'est-ce que ça fait quand vous buvez votre café, votre thé le matin? C'est pas un moment fort de la journée, tu sais. C'est comme un moment plutôt faible. Alors, Jésus, il utilise une métaphore ici. Qu'est-ce qui lève le cœur de Dieu? Il est en train de dire, j'aime pas voir ça. Ça m'attriste au plus haut point. Et je peux comprendre un brin de ce que Jésus est en train de dire, parce que j'ai vécu comme l'espèce de stade numéro un que lui vit d'une façon exponentielle à cette fête-là d'amis. Je me sens dans l'indifférence par rapport à mon cadeau que j'étais comme, que j'avais préparé, que j'avais comme économisé, donné, et qui est pris dans la complète indifférence. Et là, je vois comment est-ce que Jésus, qui est comme, il s'est donné, il a donné sa vie, il a vécu une vie parfaite, il a tout sacrifié pour venir par amour pour chacun d'entre nous. Et que là, les Laodicéens, eux autres sont comme, « Hey, check, on est riches. » Fait que nous autres, on peut tout acheter. On peut même rebâtir notre ville sans l'aide du gouverneur. On est tout autosuffisant. Et c'est vraiment l'autosuffisance et l'indifférence. Souvent, on a tendance à penser que bouillant, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'actions. Mais beaucoup d'actions peut être avec un cœur vide. Tu peux faire plein de bonnes actions, tu peux faire beaucoup de choses qui paraissent, mais avec des motifs qui sont malsains, qui t'amènent au final à ne pas être bouillant comme Jésus t'appelle à être bouillant. Être bouillant, c'est d'être en amour, littéralement, là, je ne veux pas paraître weird, mais être en amour avec Jésus qui te conduit vers les actions. Mais pas d'une façon auto-flagellée, d'une façon naturelle, parce que tu tripes dessus. Tu l'aimes au fond. C'est un amour passionnel et tu es constamment obnubilé par qu'est-ce qu'il a fait pour toi, le cadeau incroyable qu'il t'a livré et à la lumière de ça, tu veux toi te livrer. Tu veux toi déverser. Tu veux toi être généreux. Tu veux te sacrifier. Tu veux donner du temps. Tu veux aimer les gens. Tu veux parce qu'il t'a. Et c'est là la grande nuance. Et c'est drôle comment est-ce que j'aime un texte de Martin Luther qui dit « Si vous allez pécher, vous pouvez tout aussi bien pécher comme du monde. Aucune de ces choses socialement respectables, là, essaie tout. Si c'est ce qu'il te faudra pour voir que ça ne te satisfera pas. Quand le fils prodigue se retrouva dans une porcherie, il réalisa à quel point son père était bon. Le plus tôt vous arriverez au bout de votre périple sans issue, le plus tôt vous verrez votre besoin d'être secouru. » Et c'est là où est-ce que je trouve ça tellement approprié parce que les gens de la Odyssée étaient un peuple qui était autosuffisant. Et c'est drôle parce qu'on dit, ah ouais, c'est vrai, hein? Les riches sont de même, sont orgueilleux, sont comme hautains, ils regardent les autres de haut, sont de même les riches, hein? Mais c'est drôle parce que c'est vraiment l'Église qui touche le plus le 21e siècle pour nous. J'ai une citation pour vous tantôt par rapport à ça. Mais c'est une maison de 1000 à 2000 pieds carrés, c'est presque tout le monde dans cette salle, sauf ceux qui habitent en chambre. Vous avez un 3,5, vous avez 1000 pieds carrés, 800. 1000, c'est une pas pire grande appart, 4,5, c'est sûr que tu as 1000. Puis un 3,5, tu as à peu près 700, 800 pieds carrés. Quand tu as une maison, un petit bungalow, tu as 2000 pieds carrés. Quand tu as une grande maison, tu as 3000 pieds carrés, là c'est immense. Alors voyez comment est-ce que ces gens-là qui étaient vraiment riches, qui avaient l'eau courante, qui ici n'a pas l'eau courante? Levez la main. Qui ici, puis c'est drôle parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de filet social. Il n'y avait aucun filet social. Et j'ai déjà donné cette statistique-là comme quoi 95% le plus bas salarié au Québec en entier, quelqu'un qui vit sur l'aide sociale en étant seul, est plus riche que 95% de la planète. Souvent, on est comme, mais non, moi, je suis pauvre. Tu te compares par rapport à quelqu'un de plus riche. Mais comparativement à l'ensemble de l'humanité, nous sommes incroyablement riche, incroyablement aussi autosuffisant et indépendant. Alors, on a un problème, on se tourne vers comment est-ce que la société va répondre à mon besoin. Je manque d'argent, je vais voir le filet social existant. J'ai n'importe quoi qui touche à ma santé, je vais faire affaire avec le système de santé. Aussitôt que j'ai une problématique quelconque, il y a des organismes pour ça qui sont très souvent subventionnés.
On va avoir une optique très, très humaine par rapport à toutes les dynamiques ou les problématiques que normalement, on se tournait vers Dieu. Et même les chrétiens deviennent des gens qui sont très autosuffisants. Ils sont comme, des fois, ils vont utiliser Dieu juste quand on a vraiment besoin. J'ai vraiment un gros problème. Dieu. Ah, allez, c'est réglé, c'est correct, tu peux être recouché. Puis après ça, comme, la vie continue, la vie va bien, la routine embarque, ça va bien, ça va vite. Et là, j'ai un gros problème, mon couple va mal. Dieu. Allez, ça s'est stabilisé, on met ça de côté. Dieu, tu peux être recouché. Et on devient très utilitaire, on utilise Dieu pour nous plutôt qu'être centré et orienté vers Dieu. On devient autosuffisant jusqu'à ce que notre monde, notre humanité, nos limites soient atteintes. Et c'est intéressant, il dit, vous êtes pauvres. Il dit ça à la ville. Ils sont comme, what? On est les plus riches de toute l'Asie mineure. On est plus riches que 95% de la planète. Et là, Jésus dit, non, vous pensez être riche. Vous êtes pauvres spirituellement. Et là, après ça, il dit, vous êtes nus. La ville de la mode, la Milan du temps. Et comme on est la seule place qui fait de la laine noire avec des complets en laine noire, des mentons en laine noire. Vous êtes nus. Nus, ce n'est pas juste l'aspect de pauvreté, c'est l'aspect de honte. De comme, OK, quelqu'un qui est nu, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas juste pauvre. C'est qu'il y a une honte rattachée à ça. Et les gens se disent, mais voyons qu'on est nus. J'ai dit, vous pensez être habillé, mais vous êtes nus spirituellement. Ensuite, il dit, vous êtes aveugle. L'endroit, le seul endroit où est-ce qu'on a le remède pour les yeux qui vont mal, vous êtes aveugle. Et là, être aveugle dans ce temps-là amenait automatiquement la pauvreté et amenait d'être mendiant. Donc, l'aspect d'être aveugle était très important. Tu es réputé pour améliorer la vision du monde entier, mais tu es aveugle. Tu es aveugle spirituellement. Tu ne vois pas que ton cœur est vide. Tu ne vois pas que ta foi, dans les choses que tu mets ta foi, est vide. Les gens ont fermé leurs yeux à Jésus. Ils ont juste mis Jésus de côté comme un accessoire. Parce qu'on est capable de se payer, peu importe quoi, on a besoin. On veut de l'eau, on la fait venir. On veut du linge, on se le paye. On veut rebâtir notre ville après qu'elle a été détruite, on la rebâtit. Plus solide, plus grande, plus majestueuse. Une des seules villes qui avait deux amphithéâtres majestueux qui surplombaient la ville. C'était un endroit qui était, tu sais là, en anglais on dit « gorgeous », c'est un endroit comme qui était merveilleux à explorer. On est puissant. On est capable de se l'acheter. On a un sentiment de vide, on va chez Costco. Ça nourrit l'âme. Avec toutes les dégustations, ça nourrit l'âme. T'as l'impression que, mais non, tu es vide. Tu poursuis quelque chose qui te... Je fais juste poursuivre ta quête de vide. Puis, je veux prendre un petit moment ici pour poser quelques questions. Parce que c'est facile de rentrer dans l'Église et de sortir de l'Église en disant, ouais... Mais je ne suis pas le pire. Je ne suis pas le pire, là. Check lui ou elle, là. J'en fais plus. Fait que mon eau n'est pas tiède, là. Elle est un peu moins tiède que le tiède. Et on se compare sur les tièdes. Puis dans l'Église, c'est très facile. C'est très facile de sortir avec « Ah, il faut que j'oublie ça parce que j'aime pas me faire challenger. » Et Jésus challenge son Église parce qu'il l'aime. Puis même ce matin, Jésus nous dit cela, je vous dis cela, l'équipe pastorale, on aime l'Église. On aime l'Église. De quoi on parle quand on est en staff? De vous. Parce qu'on vous aime. On vous aime, on a à cœur que notre Église, puis quand je dis notre Église, c'est pas notre Église. C'est notre, ici, là, c'est une famille, c'est notre famille. On est ensemble là-dedans. On n'est pas comme nous, l'équipe pastorale, vous, l'Église. Non, c'est notre Église, on est ensemble. On regarde à Jésus, on écoute ce qu'il a à nous dire, puis on aime l'Église. On veut que l'Église progresse, on veut que l'Église soit plus comme Jésus veut que son Église soit. Alors, quand que je vous dis ça, c'est pas comme, non, c'est « let's go, guys ». On est ensemble là-dedans.
Et si on fait nos sourdes oreilles, si on met des bouchons dans nos oreilles pour ne pas entendre ce que Jésus veut dire à notre Église, on passe à côté de le cœur de Dieu. On peut vivre une vie de religion, on peut vivre une vie de pratique d'Église sans être attaché à ce qui en fait la force, Jésus. Et être attaché à Jésus, ce n'est pas juste de dire « on va prier un peu avant de manger, puis on va venir une fois de temps en temps à l'Église pour faire en sorte que moi je viens plus souvent que lui ou elle ». Je vais venir à l'église juste pour comme me sentir mieux dans ma conscience. Ah, pour avoir un bon message, je tape dans le dos. Ah, matin, là, il nous tape sur la tête. Non, je ne reviendrai plus là. Ce n'est pas le principe. On vient à l'église pour connaître plus Jésus, connaître son cœur, pour pouvoir se rapprocher de lui, pour faire comme, waouh, Jésus est plus extraordinaire. Et ça, ça nous incite à quelque chose. Donc, ce matin, je ne vous encourage pas à avoir plus de cases à cocher pour vous sentir mieux dans votre peau. Je vous encourage, puis on va le voir le remède tantôt, mais je vous encourage à regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup à Jésus. De prendre même un temps d'arrêt pour rencontrer Jésus dans les prochaines heures, dans le temps de louange tantôt, que vous laissez Jésus vous parler. Ça fait peut-être plusieurs années que tu es chrétien, puis ton cœur, il n'est plus atteignable. Tu es sur le pilote automatique. Je vais vous poser quelques questions. Comment est ta relation avec Jésus? Froide, tiède ou bouillante? Pourquoi? Comment, supposons que je te disais, comment tu aimes Jésus sur 10? Souvent, notre moyen de se réconforter est de regarder pire que nous. Notre moyen de nous inspirer est de regarder mieux que nous, mais humain. Et là, on se dit, « Hey, ça, quand je vais pogner 99 ans comme Billy, Graham, je devrais être rendu là. » Sauf que c'est un vœu pieux. Des fois, c'est juste quelque chose qui nous inspire, mais qui ne nous amène pas à, « OK, qu'est-ce que Jésus, tu veux que? Comment est-ce que tu veux que je tombe plus en amour avec toi? » Il y a une œuvre spirituelle, mais il y a aussi des choix qu'on fait. Je veux vous poser une autre question. Qu'est-ce qui te réchauffe spirituellement? Certaines personnes, ça, des gens comme plus intellectuels qui aiment la lecture, ça va être de lire la Bible. D'autres personnes, ça va être de passer un temps retiré, coupé de toute technologie pour passer un temps dans la prière. D'autres personnes, ça va être d'être en action, de servir les gens. Ça va être des, comme, puis je veux mettre en lumière, tu sais, il y a des gens ici là, que chaque vendredi après-midi, ils viennent nettoyer le bureau. C'est des serviteurs incroyables. Ils viennent faire ça et moi, ils sont un exemple pour moi. Peut-être que c'est ça, tu es un serviteur, c'est ton don, et toi, tu aimes servir. Il y a d'autres gens que ça va être de visiter des gens malades. Il y a d'autres gens que ça va être d'être une lumière à leur travail. Il y a d'autres gens que, comme, qu'est-ce qui te rend, toi, spirituellement bouillant? Et pourquoi, progressivement, ça s'est tassé de ta vie? Souvent, on voit comme la proximité spirituelle comme quelque chose de un peu flou. Comme si, une matinée, on allait se lever un matin... Et là, mon cœur, Jésus, ça se peut, ça arrive, je l'ai déjà vu. De certaines personnes, où est-ce que Jésus se révèle d'une manière extraordinaire. Mais la plupart d'entre nous, c'est une rencontre constante. Je prends souvent l'exemple comme d'un couple. Si ça fait 10 ans que tu n'as pas passé de temps avec entre vous deux, et que tu dis, là, il faut que j'aie une révélation ce matin. Il faut que j'aie une révélation. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça arrive. Ça se peut, mais normalement, ce n'est pas comme ça. C'est de se prioriser. C'est de connaître l'autre. C'est de voir à quel point c'est un cadeau inestimable, c'est une bénédiction dans ma vie. Comment est-ce qu'on peut les deux se construire et non pas se détruire pour s'élever? Comment est-ce qu'on peut l'un et l'autre se bâtir? Et avec Jésus, tu ne t'attends pas beaucoup à bâtir Jésus, mais tu veux être bâti par lui, puis tu veux le rencontrer, puis tu veux qu'il te bâtisse. Alors, prochaine diapo. Je vais vous parler de Nathan Barlow, un docteur que je trouvais vraiment inspirant. Dans les années 40, dans le fond, il est né dans les années 20, mais dans les années 45-50, il est allé en Éthiopie, un pays en Afrique, servir pour... Il a bâti des hôpitaux, il a bâti des cliniques, il a parti beaucoup, beaucoup de ministères, il était un évangéliste, il présentait Jésus à tout le monde qu'il rencontrait.
Et il était avec sa femme Doris là-bas pendant 40 ans de leur vie. Une année, quand que les communistes sont arrivés, ils ont été sortis du pays et ils sont allés servir tout autour, au Kenya, tout autour. Leur cœur était vraiment en Éthiopie, mais leur cœur était premièrement en Afrique. Mais ils sont allés servir tous les pays autour pour bâtir le même ministère. Et leur pensée, leur principal ministère était, ils appellent ça le barefoot disease. C'est comme la maladie des pieds nus. Et dans Éthiopie, il y avait beaucoup de volcans. Et les gens qui travaillaient beaucoup dans la terre volcanique avaient des ulcères dans les pieds. C'était un peu comme une lèpre des pieds. Et souvent, les gens ne pouvaient plus marcher, éventuellement mouraient parce qu'ils ne pouvaient plus travailler, ils ne pouvaient plus se déplacer, et éventuellement, ils pognaient d'autres maladies ou ils mouraient justement de faim, d'exclusion sociale. Et lui avait beaucoup, beaucoup à cœur, eux. Et une année, pendant une quinzaine d'années, il est retourné aux États-Unis parce que où est-ce qu'il ne pouvait plus servir en Afrique à cause justement des tensions militaires. Et pendant ces 10-15 années-là, il mourait littéralement, là. Et aussitôt qu'il a pu retourner, il est retourné. Et là, il était rendu très vieux. Là. Il était rendu à 70, 75 ans. Et il servait encore fidèlement. Et à un moment donné, il avait une rage de dents incroyable. Ses dents le faisaient souffrir. Il a fallu même qu'il prenne l'avion parce qu'il n'y avait aucun dentiste à plusieurs centaines de kilomètres autour. Il est allé, il a pris l'avion pour aller voir un dentiste. Et là, il a dit au dentiste, « Je ne veux plus jamais avoir à quitter le terrain pour un mal de dents. Arrache-moi tout ça. Et mets-moi des dentiers. » Et il est retourné par la suite en Éthiopie. Et cet homme-là, à la fin de sa vie, là, il avait 90 ans, il est retourné en Amérique, et sa santé dépérissait, et il a demandé à sa fille de retourner en Afrique pour mourir là. Parce qu'il dit, ma maison est là-bas. Et sa fille l'a rapatrié en Afrique, et il est mort dans un village en Afrique. Et je trouvais ça tellement particulier. Où est-ce que j'ai pas de temps à perdre avec mes dents? Hey, quelle déclaration qui nous challenge! Voyons donc! Hey, c'est pas équilibré, ça! C'est pas équilibré! Non! Il est en amour avec Jésus et il a à cœur les Éthiopiens. Et pour lui, c'était comme un scandale d'être retardé par une dent. Il a dit, j'aurais plus jamais ce problème-là, même pas des dentiers. Et il était tellement passionné de Jésus, pas parce qu'il se fouettait à dire, « Hey, je veux dépasser. Il y a d'autres missionnaires qui ont fait plus longtemps que moi. » Il était passionné. Passionné tellement que ses circonstances pâlissaient à la lumière de qui est Jésus. Et il voulait le partager continuellement. Son cœur était pour les Éthiopiens. Et il voulait continuellement être en mission. Et Jésus, prochaine diapo, nous lance un défi. Il nous lance un défi. Il dit, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements vraiment blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » Jésus dit, « Tu ne trouveras pas quelque chose qui va vraiment te remplir ailleurs que chez moi. » Tu penses être riche parce que tu as bien réussi, tu as un bon métier, tu as une belle retraite, tu as différents avantages sociaux. Tu penses être riche, mais tu es pauvre. Le seul endroit où est-ce que tu vas pouvoir acquérir la vraie richesse, c'est d'acheter chez moi. Puis c'est drôle parce qu'il dit, je te conseille donc d'acheter chez moi. C'est moi qui peux te donner ça. Et Jésus est en train de parler de lui. Il dit, moi, Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est appauvri au plus haut point. Il était le maître de l'univers. Il est devenu un simple homme, très, 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 très humble. Il s'est appauvri au plus haut point pour que tu sois riche spirituellement. Jésus, comment est-ce qu'il a fini sur la croix? Il a fini avec un sous-vêtement. Jésus s'est fait nu pour que toi, tu sois habillé spirituellement. Et là, il ne dit pas avec n'importe quelle sorte de vêtement, un vêtement blanc. Ça, il est en train de dire, quand tu te présentes devant Dieu, ton vêtement n'est plus souillé par ton péché. Parce que Jésus t'a lavé par son sang de ton péché. Alors, tu penses être une bonne personne parce que tu as des bonnes valeurs, parce que tu es né dans le christianisme où tes parents t'ont inculqué des bonnes valeurs. Alors, maintenant, tu as l'impression d'être habillé, mais tu ne l'es pas. Parce que peu importe ce que tu fais, tu es nu devant Dieu sans l'intervention de Jésus.
Alors, quand Jésus vient et dit, « Non, c'est moi seul qui peux te donner un vêtement blanc devant Dieu. » Un vêtement blanc veut dire, « Seulement moi, je peux te purifier pour que tu aies accès à Dieu. » Et ensuite de ça, il dit, « Afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » Jésus seul peut te rendre la vue de ta vraie situation spirituelle. Souvent, quand on rencontre Dieu, quand on rencontre Jésus pour la première fois, le sentiment qui nous vient, vraiment là, comme l'état de nos cœurs quand on rencontre Jésus, souvent les gens vont pleurer. Pourquoi ils pleurent? Ils pleurent parce qu'ils découvrent pour la première fois un cadeau inestimable. Et c'est quoi ce cadeau-là? « Car Dieu a tant aimé le monde. » Jean 3,16, le verset un des plus connus sur la terre. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus. » Car Dieu a tant aimé, c'est par amour qu'il a envoyé son Fils unique, afin que n'importe qui, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, mais pas juste croire comme étant, « Ah, c'est folklorique. Ouais, comme, t'es-tu chrétien? Ouais, je suis chrétien. J'ai été baptisé à un mois. » T'es-tu chrétien? Ah ouais, mes parents étaient chrétiens, je suis catholique, ouais. 83% des Québécois se disent chrétiens. On ne parle pas de ça. On parle d'une rencontre avec Jésus où est-ce que ton cœur est brisé parce que tu vois le cadeau qu'il t'a donné inestimable. Et t'es comme, wow, je vois pour la première fois que je suis nu. Je vois pour la première fois que je ne suis pas habillé. Je vois pour la première fois que je suis pauvre spirituellement. Je vois pour la première fois avec mes yeux spirituels que Jésus me donnait le cadeau le plus précieux et que toute ma vie, je négligeais, je me voyais comme habillé, je ne l'étais pas, et que seul Jésus peut me donner ça. Et ça, c'est glorieux. Et Jésus dit, ça, c'est seulement moi qui peux te le donner. Et il finit, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Jésus dit ça parce qu'il t'aime. Il t'aime beaucoup. Il t'aime passionnément. Il t'aime à la folie. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour être premièrement ton sauveur, te sauver que devant Dieu, tu ne faisais pas la job. Ta sainteté ne faisait pas la job. Ta bonne vie ne faisait pas la job. Comment est-ce que tu étais bon comme être humain, peu importe comment tu étais bon, ne faisait pas la job. Jésus est ton sauveur, mais il est aussi ton Seigneur. Il devient le maître de ta vie. Il dit, garde, tu veux être mon disciple, suis-moi. Suis-moi, mais pas suis-moi comme quand tu t'es converti v'là quelques années ou v'là deux semaines, ou même peut-être ce matin. Suis-moi tous les jours de ta vie. Et tu vas voir, je vais transformer ta vie. Je vais transformer ta vision des choses. Je vais transformer ton existence. Parce que de plus en plus, on va développer une relation d'intimité. Je vais inviter l'équipe de louange. Aie donc du zèle et repens-toi. La repentance, prochaine diapo. La repentance. Je veux vous lire une citation, ça en vient. Le quotidien de la vie d'un chrétien est un quotidien de repentance. Si tu cesses de te repentir, tu commenceras à tiédir. La repentance, c'est que Dieu t'illumine sur une partie de ton cœur, sur un aspect de ta vie qui t'amène à être tiède. Et tu dis, Dieu, non, je te confesse que ça, je ne veux plus que ça m'appartienne, ça t'appartient. Je veux acheter de l'or chez toi, je veux acheter des vêtements chez toi, je veux que tu me rendes la vue. Je veux que tu me rendes la vue sur ce qui rend ma vie tiède, sur ce qui rend mon cœur divisé, sur ce qui m'éloigne de toi et qui rend mon eau qui donne mal au cœur. Jésus, ce qui lui fait le plus mal. Pourquoi il dit, j'aimerais ça que tu sois bouillant? Bouillant, c'est passionné de Jésus. Et même froid. Froid, ça veut dire, non, je le connais même pas. Pourquoi est-ce que Jésus dit « J'aimerais mieux que tu sois froid que tiède? » Il me semble que c'est mieux d'être tiède que froid. Jésus dit non. Parce que ceux qui sont froids n'ont pas encore la vue. Ceux qui sont tièdes, ils ont eu la vue puis ont fait « Ah! » Comme « Je suis mort pour toi. » « Ah! » Comme « J'ai donné ma vie, j'ai souffert pour toi. » « Ah! » J'ai comme « Non, c'est un cadeau que j'ai tout donné. J'ai tout sacrifié. J'ai mis de côté. » Totalement tout. Ah! Ça met l'estomac à l'envers de Dieu. Et c'est tellement pour notre ère
aujourd'hui, au 21e siècle, ici au Québec. Ah! Si ça donne, je ne veux pas être perçu comme quelqu'un de radical, là. Je ne veux pas être quelqu'un qui parle de Jésus, là, Jésus, là. Hey, tout le monde va dire, hey, t'aimes donc bien Jésus, toi. Hey, c'est quand même un peu bizarre, là, tu sais. On veut être diplomatique, on veut être politiquement correct. On veut passer comme, pareil. Juste que moi, une fois de temps en temps, je vais à l'église. That's it. Hein? Comme, on veut juste, ça apporte comme une belle encadrement. Il y a des messages positifs, ça me parle de pardon, d'amour. Ça, c'est des choses que je veux, mais... Et c'est là où est-ce que Jésus est comme, non, je ne suis pas mort pour ça. Je ne suis pas mort pour que tu fasses, je ne suis pas mort pour que mon sacrifice veuille juste dire ça dans ta vie, veuille juste dire un groupe social intéressant, veuille juste dire comme, si ça donne. Même, tu sais, comme, je ne veux pas qu'il n'y ait aucun élément qui sacrifie moindrement mon confort. Je veux pas me déplacer, même rentrer dans un groupe connexion, être plus en intimité avec les gens pour que les gens me connaissent davantage, connaissent plus mes faiblesses. Non, je veux pas aller là. Je veux pas que Jésus vienne vraiment travailler profondément. Non, je veux juste que avoir un petit surfacique, là, tu sais, quelque chose qui va comme être en ajout à ma vie. Et ce qu'on est en train de dire à Dieu, on est en train de dire, ton sacrifice, c'est tout ce qu'il vaut. Ton sacrifice, il est comme un bel ajout, sans plus. Il est comme juste un petit plus. Il n'est pas central, il est un petit plus. Et ça, ça y met le cœur à l'envers. Prochaine diapo. Je termine avec ça. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Souvent, on utilise ce verset-là pour dire un verset comme si c'était un verset d'évangélisation. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il parle aux chrétiens. Il parle à son église où est-ce que les gens sont rendus centrés sur eux-mêmes. Et on le voit comment est-ce que ça, là, on le voit dans toutes les sociétés, encore aujourd'hui en sociologie. Plus qu'une société est riche, plus qu'elle devient individualiste. Et c'est très spécial où est-ce que Jésus, il parle à cette église-là de Laodicée, très individualiste. Et Jésus dit, je suis là et je frappe. Je veux rentrer avec toi, je veux souper avec toi. Il parle d'intimité. Il parle d'une relation de proximité avec lui. Il parle d'ouvrir à Jésus. Et ça se peut que parfois, ça te déstabilise de ton confort actuel. Parfois, ça se peut que la rencontre avec Jésus transforme ta vie. Je te le souhaite. Parfois, ça se peut que ça ait des répercussions sur ton temps, sur ton argent, sur ta job. Ben voyons donc. Ça se peut que des fois, ça ait des répercussions sur tes dents. Ben là, je ne perdrai pas une dent pour Jésus. Ça se peut qu'il y ait des répercussions à des endroits qu'aujourd'hui, tu ferais comme « No way! » Ça viendrait déranger mon confort. Et Jésus dit « Je suis mort pour toi. Et je veux que tu soupes avec moi. Et quand tu vas souper avec moi, tu vas rentrer en intimité avec moi, tu vas comprendre des choses, tu vas avoir la vue sur des choses qu'aujourd'hui, c'est normal que tu n'ailles pas la vue. Si je te dirais aujourd'hui, je te propose de perdre tes dents, je te propose de sacrifier ton temps, je te propose de sacrifier ton argent, je te propose de... » Tu dirais non. Et ce n'est pas la proposition de Jésus. Il dit, viens me rencontrer, je vais te donner la vue, tu vas devenir passionné, tu vas voir à quel point ce sacrifice-là, c'est un cadeau inestimable. Et après ça, ta vie va être bouleversée, ta vie va changer à différents niveaux. L'appel de chacun des gens ici dans la salle est différent. Tes dons sont différents, ta personnalité est différente. Il y a des gens ici qui vont être des gens qui vont peut-être
et éventuellement devenir pasteurs. Ils vont aller étudier à l'école biblique. Ils vont comme être des enseignants. Il y en a d'autres peut-être qui vont être des évangélistes, d'autres des missionnaires, d'autres des gens qui vont être des fidèles témoins à leur travail de Jésus, qui vont parler de Jésus, ils vont parler à leurs collègues. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui vont être des gens qui vont être des bons papas, des bonnes mamans pour élever des enfants dans les voies de Dieu. Il y a des gens ici qui sont appelés à être célibataires. Célibataire pour l'œuvre de Dieu. Paul, il dit, « Hey, c'est un avantage d'être célibataire. Ça me donne plus de temps. » C'est vrai. Mais il y en a qui c'est leur don. Il y a des gens ici qui vont... Leur cœur brûle pour les gens démunis. Les gens qui sont dans les dépendances. Il y a des gens qui brûlent pour faire du counseling avec les couples. Nice. Votre appel est tous différent. Mais si votre appel n'est pas enraciné dans une relation d'intimité avec Jésus, votre appel, il va devenir tiède. Votre relation va devenir tiède. Et j'ai une chose très pratique. Puis je vais juste finir le texte. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus dit, la vie ensemble, on va la vivre ensemble. Je ne te laisserai pas tout seul dans ton char, dans tes circonstances, dans tes souffrances, dans tes défis. Dans les moments très, très difficiles, tu vas être assis à côté de moi. On va passer au travers ensemble. Et le trône fait référence à une royauté. Jésus est le roi de l'univers qui est assis à côté de toi dans le char de ta vie. Nice! Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas prêt à prendre la décision de tout ce que ça comprend. Mais Jésus dit, on va souper ensemble en premier. C'est la première étape. Il faut qu'on soupe ensemble. Il faut que tu achètes chez moi de l'or, des vêtements, puis la vue. Puis ta vie, après ça, va changer. Chrétien, Église de Laodicée, Église Acts 21, si notre vie est indifférente, et des fois on peut se conforter dans la... je suis moins indifférent que la personne à côté de moi, à ma gauche ou à ma droite. Fait que c'est bien. Ça a de l'allure. J'en fais un peu plus que, donc... Ça a de l'allure. Si votre vision de votre tiédeur est basée sur quelqu'un d'humain, c'est juste un degré différent de tiédeur. Plus que tu te rapproches de Jésus, et plus que ton eau va réchauffer. Ton cœur va réchauffer de passion pour lui qui va avoir un impact dans ta vie. J'ai une seule chose que... Et puis, je crois vraiment que c'est l'appel de Dieu pour notre Église. Puis c'est vraiment un truc très pratique. C'est vraiment quelque chose de très pratique et je ne veux pas rendre ça trop large et trop flou, mais je crois vraiment que ça peut devenir un élément qui nous, chaque jour, nous remet devant cette dynamique-là d'indifférence et d'être vraiment reconnaissant envers Jésus. Et c'est la foi. Christ est la vie. La foi amène la vie. La foi en Christ amène la vie. Et je pense sincèrement que si chaque jour de nos vies, chaque matin, chaque temps avec Jésus, dans notre prière avec lui, on amène nos cœurs à être dans la dépendance de lui. Ou est-ce qu'on veut que Dieu nous utilise dans cette journée pour faire un geste de foi? Un geste de foi où est-ce que j'ai besoin absolument de Jésus pour le faire? Je vous donne quelques exemples. Ça peut vouloir dire, puis c'est l'Esprit qui va vous mettre ça à cœur, c'est l'Esprit qui va vous pointer ça, mais ça peut vouloir dire de rappeler quelqu'un pour lui demander pardon, que l'Esprit vous pointe, peut-être que c'est un parent ou quelqu'un dans votre famille ou un ami, d'y demander pardon pour quelque chose que vous avez fait il y a plusieurs années ou peut-être très récemment. Ça peut être également d'aller voir votre conjoint ou votre conjointe puis de demander pardon pour certaines choses ou de passer à l'action sur certains gens. Hey, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi d'acheter des fleurs. Moi, je suis pas un gars de même. Moi, je suis un gars de service. Moi, je fais des changements de lieu, je change des pneus d'hiver, des filles. Tu sais, de même, je dis, je l'aime. Puis, est comme, non, je veux des fleurs. Ça peut vouloir dire, Jésus, j'ai besoin de toi pour m'humilier. M'humilier dans le sens comme, OK, c'est pas vraiment moi d'être romantique, mais oui, je veux le faire avec toi. Je veux être dépendant de Jésus dans ma vie. Je veux que Jésus puisse me donner cette puissance et cette drive-là, enracinée dans sa présence, dans l'intimité avec lui. Est-ce que l'Esprit vous influence? Ça peut vouloir dire de rentrer dans un groupe connexion pour devenir plus authentique. Ou est-ce que vous partagez vos faiblesses avec d'autres gens pour qu'ils prient pour vous?
Ça peut vouloir dire, pour la première fois de votre vie, de partager à quelqu'un que vous avez de la difficulté avec la pornographie. C'est humiliant, c'est comme, « Hey non, ils vont penser que j'ai de la misère avec la pornographie. » Ben oui, quel cadeau. Oui, c'est j'ai besoin de Jésus pour faire ce pas-là, d'avancer et de dire, « Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta présence dans ma vie parce que je suis nu et toi, tu peux me rendre habillé. Je suis pauvre et toi, tu peux m'habiller. J'ai besoin de toi pour marcher dans la vie chrétienne. » Si tu n'as pas besoin vraiment de Jésus dans ta vie chrétienne, ça veut dire que tu es tiède. Alors, chaque matin, quand on se lève, Dieu, comment est-ce qu'aujourd'hui, je veux accomplir quelque chose par la foi? Ça peut vouloir dire de parler de Dieu à mon patron. What? Ça va me couper des promos? Ben oui, j'ai besoin de Jésus pour ça. J'ai besoin de Jésus pour que Jésus puisse me rendre plus passionné à ce moment-là pour dire, « Hey, sais-tu quoi? Moi, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. » Là, ton patron va te regarder de même et te dire, « Ouais, moi, là, comme depuis que je l'ai rencontré, c'est vraiment une relation. Je prie avec lui. Il m'aide dans plusieurs sphères de ma vie. Même en ce moment, je suis en train de te parler de lui. Je trouve ça challengeant, mais avec son aide, par Jésus, je puis tout par celui qui me fortifie. » Qui est-ce qui te fortifie? C'est Jésus. Alors, ces gestes de foi-là, basés dans la dépendance de Jésus, dans une intimité qui te nourrit, t'amènent à réchauffer. Parce que si ce matin, je vous dis, sois plus à l'église, sois plus généreux, fais plus d'affaires, fais plus. Sans être branché à Jésus, tu vas juste devenir plus religieux. Et là, ça va créer une église qui va mourir, c'est sûr. Jésus écrit toujours à ces églises-là, et très souvent, la conséquence, c'est « Vous allez mourir, vous allez mourir. Si votre église devient à propos de vous, vous allez mourir, parce que l'église est à propos de moi, Jésus. » Et le sacrifice que j'ai fait pour vous, et l'amour que j'ai eu pour vous. On a besoin, Acts 21, on a besoin d'être en amour plus avec Jésus. Chacun d'entre nous. On va se lever debout. On va se lever debout pour prier à Dieu et chanter à Dieu. Et je veux prendre un temps de prière parce que cette série-là a été une série pas toujours facile. Hein? Parfois même, on avait l'impression de sortir d'ici et « Oh boy, ça rentrait dedans. Ah, c'était pas facile à entendre. Eh boy, ça sort le fouet souvent. » Mais Jésus nous corrige par amour. Il nous aime. Il t'aime. Chacun des personnes ici, il t'aime passionnément. Il est en amour. Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'y a pas un être humain qui va faire ça. Et Jésus l'a fait. Et Jésus veut cette relation-là d'intimité avec toi. On a besoin d'être à son écoute. On a besoin d'aller souper avec lui. On a besoin de prendre du temps avec lui. Jésus, on vient devant toi. Tu es le berger de cette église. Tu es le roi de l'univers. Tu es le vrai. Le seul et l'unique, le vrai, le chemin, la vie. Jésus, tu es tout. Jésus, on veut que Acts 21 soit enraciné en toi. On veut que toute l'Église, chacun des individus, ne se fonde pas dans la masse pour dire « Ah, je vais à une bonne Église » ou « je vais Ah, il me semble que le pasteur, il a l'air d'aimer Jésus. » Non, on veut que chaque personne soit en amour avec toi. On veut, Seigneur, que chaque personne dans cette Église, et l'Église n'est pas Acts 21, c'est chaque personne qui les compose. Jésus, chaque personne, tu veux souper avec lui, tu vas avoir intime avec chacune des personnes. On veut que chaque personne soit en amour avec toi. Produis cet amour, produis cette rencontre, produis cette transformation, produis de nous rendre la vue. Produis, Seigneur, de nous rendre conscients qu'on a besoin d'une repentance, d'un changement de comportement, d'une confession, pour que tu prennes place dans nos cœurs d'une façon complète et entière. Dieu, transforme cette église à ton image. Transforme cette église selon ton cœur. Transforme cette église, Seigneur, et fais travailler ton esprit dans chacune des vies, chacune des existences de chaque individu dans cette salle pour que ton royaume puisse se voir ici même. Les vies soient transformées à ton image. Et que cette Église puisse refléter ta gloire pour les siècles à venir, non pas basée sur nos forces, mais sur qui tu es. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie. Amen. On va prendre un temps pour louer Dieu.
Le chant qui va suivre, c'est un de mes chants préférés sur l'album, qui s'appelle « Consécration ». Et je vous invite à chanter ce chant-là avec exactement ce que ça dit. Je veux me consacrer à toi. Je veux être plus en amour avec toi. Prends ce que je suis et fais ce que tu veux. Qu'on puisse avoir cette attitude de cœur pour toute personne dans cette salle. Que vous ne puissiez pas vous baser sur votre ancienne histoire, mais sur son histoire qui transforme ton histoire. Et que ta vie puisse s'aligner sur sa vie et son histoire et ce qu'il est et comment est-ce que ça transforme qui tu es. Que vous puissiez passer un temps personnel avec Jésus ce matin. Amen.